Sophie Marchand, une jeune femme noire de 32 ans, est une figure montante dans le monde des affaires à Paris. Grande, avec une posture assurée et un regard déterminé, Sophie s'habille avec élégance, toujours avec une touche subtile de sophistication qui reflète bien sa personnalité. Sa peau noire contraste de manière frappante avec l'environnement chic et bourgeois dans lequel elle évolue. Ce soir-là, après une longue journée de travail dans le quartier des affaires de la Défense, Sophie rentre chez elle, fatiguée mais satisfaite de ses accomplissements. Assise dans sa voiture haut de gamme, elle conduit doucement à travers les rues calmes du 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus huppés de Paris. À ses côtés, sa mère, Margot Marchand, une femme d'une soixantaine d'années, repose calmement, les mains croisées sur ses genoux. Margot est une femme d'une grande prestance. Sa peau est aussi sombre que celle de Sophie, mais son visage est marqué par les années d'expérience, de sagesse, et aussi de défis qu'elle a dû affronter. Elle est la femme de l'un des juges les plus respectés de France, un homme influent qui a su se faire un nom dans la haute magistrature. Margot, bien que discrète et souvent en retrait par rapport à la vie publique de son mari, est une force tranquille. Elle est fière de sa fille, de ce qu'elle est devenue dans une société qui ne lui a jamais vraiment facilité la tâche. « Tu es fatiguée, ma chérie ?» demande doucement Margot, rompant le silence qui régnait dans l'habitacle de la voiture. Sophie tourne légèrement la tête, offrant un sourire fatigué mais sincère. « Un peu, mais je pense que tout avance comme prévu au travail. » C'était une journée productive. Margot hoche la tête, satisfaite. « Je suis fière de toi, Sophie. » Le paysage de Paris défile à travers les vitres de la voiture, les lampadaires illuminent les rues pavées. L'atmosphère est paisible, presque trop tranquille pour une soirée parisienne. Le son lointain de la circulation ne trouble en rien la quiétude de ce moment mère-fille, un moment rare où les deux femmes peuvent se retrouver, échanger quelques mots sans être pressées par le temps ou les responsabilités. Pour Sophie, ces moments sont précieux. Elle admire sa mère, cette femme qui a traversé tant d'épreuves, d'humiliations parfois, en raison de leur couleur de peau, même dans les cercles les plus fermés de la société française. Mais Margot n'a jamais laissé ses affronts l'atteindre. Elle a toujours avancé, la tête haute, avec une élégance et une dignité que peu de gens peuvent revendiquer. Soudain, Sophie ralentit en approchant d'une rue transversale. Des lumières rouges et bleues scintillent à l'horizon. Une voiture de police est stationnée sur le côté, et deux officiers sont visibles, effectuant des contrôles sur les véhicules qui passent. C'est une situation courante à Paris, surtout dans les quartiers riches, où la sécurité est une priorité constante. Mais une petite voix à l'arrière de l'esprit de Sophie lui dit que cette nuit, quelque chose de différent pourrait se produire. Une autre vérification de routine, murmure-t-elle à sa mère, tentant de dissimuler l'inquiétude naissante dans sa voix. Margot, toujours calme, observe la scène. Ne t'inquiète pas, Sophie. Tout ira bien. Sophie inspire profondément, mais un léger doute persiste dans l'air. Le privilège de leur position sociale les protégera-t-il vraiment de ce qu'elles ressentent parfois comme une hostilité latente? Sophie fait ce qu'on lui a toujours enseigné, rester polie, respectueuse, et surtout, ne pas réagir, quoi qu'il arrive. Alors que Sophie ralentit, l'atmosphère change subtilement dans la voiture. Les lumières clignotantes des gyrophares projettent des ombres bleutées sur le tableau de bord, et Sophie sent son cœur battre un peu plus vite. Elle sait qu'elle n'a rien à se reprocher. Tout est en règle, ses papiers, l'état de la voiture, tout. Mais elle ne peut s'empêcher de ressentir cette petite pointe d'appréhension qui accompagne chaque interaction avec les forces de l'ordre. En approchant de la voiture de police, un des agents leur fait signe de s'arrêter. Sophie obéit immédiatement, se garant lentement sur le côté. Margot, à ses côtés, ne dit rien, mais son regard se fait plus attentif. Elle sait aussi, d'expérience, que ces contrôles de routine peuvent prendre une tournure différente, surtout lorsqu'on est une femme noire, même dans une voiture luxueuse et dans un quartier respectable. Le policier s'avance vers leur voiture, une silhouette imposante sous l'éclairage des réverbères. Il s'agit de Marc, un homme d'une quarantaine d'années, au visage durci par des années de service. Il tapote doucement sur la vitre du côté de Sophie. Sans perdre un instant, Sophie baisse la vitre, offrant un sourire poli, bien qu'un peu crispé. « Bonsoir, monsieur l'agent », dit-elle d'une voix calme, essayant de garder le contrôle. Marc l'observe un instant sans répondre, ses yeux passant d'elle à Margot, puis revenant sur Sophie. Il semble peser chaque mot avant de parler, mais son ton est glacial, dénué de la courtoisie habituelle. « Papier du véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît. » Sophie acquiesce rapidement, fouillant dans son sac pour en sortir ses papiers. «
Tout dans son geste est précis, calculé. Elle sait que le moindre mouvement brusque pourrait être mal interprété. Elle tend les documents à Marc, qui les prend sans un mot, ses yeux toujours rivés sur elle comme s'il cherchait quelque chose de suspect, quelque chose qui ne colle pas à l'image de deux femmes conduisant une voiture de luxe. Il s'éloigne de quelques pas pour examiner les documents. Sophie jette un coup d'œil à sa mère, qui demeure impassible, mais Sophie peut lire la tension dans la mâchoire serrée de Margot. Elles ont déjà vécu ce genre de situation auparavant, même si, ici, dans un quartier aussi calme et respectable, cela semble d'autant plus incongru. Quelques minutes passent, qui semblent s'étirer en une éternité. Marc revient enfin, mais au lieu de rendre les papiers et de les laisser partir, son visage s'assombrit davantage. Sortez du véhicule, toutes les deux, ordonne-t-il sèchement. Sophie cligne des yeux, surprise. Mais, pourquoi ? Je vous ai donné tous les papiers. Tout est en règle. Marc ne bouge pas, son regard se durcit encore. Sortez du véhicule. La voix de Sophie se fait plus ferme. Je crois que nous avons le droit de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème ? Marc ne répond pas tout de suite. Derrière lui, un autre officier, plus jeune, observe la scène avec un sourire en coin, comme s'il anticipait une situation plus divertissante qu'un simple contrôle de routine. Margot, jusque-là silencieuse, pose doucement une main sur l'avant-bras de Sophie. « Fais ce qu'il te dit, ma chérie. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. » Sophie inspire profondément. Elle sait que sa mère a raison. Discuter ou résister ne ferait qu'empirer les choses. Avec une lenteur calculée, elle détache sa ceinture et ouvre la portière. Margot fait de même de l'autre côté. Les deux femmes sortent du véhicule, debout sous les regards inquisiteurs des policiers. Sophie et Margot se tiennent maintenant à l'extérieur du véhicule, l'air frais de la nuit parisienne les entourant. Mais l'atmosphère est lourde de tension. Les deux femmes se tiennent droites, tentant de garder une façade de calme, bien que l'injustice de la situation commence à se faire sentir. Sophie serre inconsciemment ses poings le long de son corps, respirant profondément pour maintenir son sang-froid. Marc, le policier principal, les observe avec un mélange de méfiance et de condescendance. Il fait signe à son collègue, Julien, de les rejoindre. Ce dernier est plus jeune, probablement dans la trentaine, mais son sourire narquois trahit une arrogance mal dissimulée. « Vous allez nous expliquer ce qui ne va pas ?» demande Sophie, d'une voix maîtrisée, mais dans laquelle pointe une légère irritation. Elle sait qu'elle a le droit de comprendre pourquoi elles sont ainsi contraintes de sortir du véhicule. Marc, toujours sans un mot, commence à inspecter l'extérieur de la voiture, ses mains glissant le long des portières comme s'il cherchait quelque chose de caché. Julien, quant à lui, reste face aux deux femmes, un sourire froid aux lèvres. « C'est juste une vérification de routine », répond finalement Marc, sans vraiment de conviction dans sa voix. « Si c'était une simple vérification, pourquoi sommes-nous traités de cette façon ?» poursuit Sophie, son regard fixe en Marc. « Je vous ai donné tous les documents, ils sont en règle. » Julien se rapproche, son ton se fait soudain plus sec. « Vous avez un problème avec l'autorité, mademoiselle ? Vous n'avez pas le droit de poser des questions ici, c'est nous qui décidons. » Margot, jusque-là silencieuse, fait un pas en avant, son regard sévère fixé sur les deux policiers. « Nous avons le droit de savoir pourquoi nous sommes traités ainsi, surtout quand rien ne justifie un tel comportement. » Le sourire de Julien s'efface légèrement, mais il ne recule pas pour autant. « Peut-être que vous ne savez pas tout ce qu'on peut trouver dans ce genre de voiture, surtout quand. » Il laisse sa phrase en suspens, ses mots flottant entre insultes et insinuations. Sophie sent son cœur s'accélérer. Elle sait très bien ce que Julien insinue, même s'il ne le dit pas ouvertement. C'est un préjugé sournois, cette idée que deux femmes noires dans une voiture luxueuse ne peuvent être là que pour des raisons douteuses. Cette suspicion injustifiée, elle l'a vécue plus d'une fois, et chaque fois, elle laisse une cicatrice. Marc, qui a terminé son inspection extérieure, fait signe à Julien d'ouvrir le coffre. Sans même demander la permission, ce dernier s'exécute, fouillant à l'intérieur sans aucune considération pour les affaires personnelles de Sophie et Margot. Il sort une valise de vêtements, qu'il ouvre sans ménagement, inspectant chaque pièce avec une minutie exagérée. Margot, observant la scène, murmure à Sophie. Laisse-les faire, ils finiront bien par comprendre qu'ils font fausse route. Mais pour Sophie, c'est plus difficile. Chaque geste des policiers semble être une attaque personnelle. Elle a l'impression d'être jugée non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce à quoi elle ressemble. Le poids de cette réalité la submerge,
mais elle sait qu'elle ne peut pas céder à la colère, car dans ce genre de situation, c'est toujours elle qui perdrait. Vous croyez vraiment que vous allez trouver quelque chose dans ses vêtements ? Lance-t-elle à Julien, incapable de contenir son irritation. Julien relève la tête, son sourire narquois de retour. On ne sait jamais, mademoiselle. C'est fou ce qu'on peut découvrir lors de simples vérifications. Le ton désinvolte et provocateur de Julien agace encore plus Sophie. Margot, toujours calme en apparence, croise les bras, son regard perçant fixant le policier. Vous feriez bien de faire attention à ce que vous insinuez, jeune homme. Julien la regarde, surpris par le ton tranchant de la remarque. Il ne répond pas immédiatement, mais on peut voir une légère hésitation dans ses gestes suivants. Pendant ce temps, Marc s'approche de Sophie, son visage impassible. Vous travaillez dans quoi ? Demande-t-il, sans lever les yeux de son carnet où il prend quelques notes. Je suis directrice des opérations pour une entreprise internationale, répond Sophie sèchement. Est-ce que cela a un rapport avec votre contrôle ? Marc ne répond pas, mais son silence en dit long. À ce moment précis, il ne cherche pas vraiment des informations, il cherche juste à les intimider, à faire durer l'humiliation. Sophie reste droite, bien que la tension monte progressivement dans son corps. Elle avait déjà répondu aux questions, donné ses documents, mais l'insistance des policiers, surtout Marc, devenait insupportable. Elle savait que ces inspections routinières pouvaient mal tourner, surtout lorsqu'elles étaient empreintes d'un sous-texte raciste, comme cela semblait être le cas ici. Marc ferme finalement le carnet, relevant lentement les yeux vers Sophie. Ses paroles sont délibérément lentes, presque calculées. Sortez toutes les deux du véhicule. Sophie écarquille légèrement les yeux, surprise par cette nouvelle demande. Mais nous avons déjà coopéré. Vous avez mes papiers, ils sont en règle. Il n'y a aucune raison pour que nous sortions du véhicule. Marc s'avance de quelques pas, réduisant la distance entre eux, son regard toujours aussi glacial. Je ne vais pas répéter. Sortez du véhicule. Sophie peut sentir le regard de sa mère se poser sur elle, une pression silencieuse pour ne pas aggraver la situation. Margot, bien que généralement discrète et réservée, n'était pas naïve. Elle savait que dans ces circonstances, protester ou résister, même légitimement, ne ferait que rendre la situation plus dangereuse. Elle avait vu trop de fois des incidents similaires prendre des proportions injustes et tragiques. Sophie, murmura doucement Margot, sa voix calme mais ferme. Fais ce qu'il te dit. Sophie serre les dents, luttant contre l'injustice de la situation, mais finit par obéir. Elle détache lentement sa ceinture et ouvre la porte de la voiture. Margot suit son exemple. Elles sortent toutes les deux, et Sophie ressent immédiatement la froideur de la nuit parisienne, comme une métaphore de l'atmosphère tendue entre elles et les policiers. Marc fait un geste rapide à Julien, qui s'approche alors du côté de Margot, tandis que Marc se concentre sur Sophie. Ils sont entourés d'une aura de supériorité, d'autorité, qui ne laisse aucune place à la contestation. Sophie sent son cœur battre plus fort, mais elle essaie de garder le contrôle. Elle respire profondément, son esprit tourné vers l'idée de ne pas montrer de faiblesse, de ne pas céder à la peur ou à la colère. « Mettez vos mains sur le capot », ordonne Marc sans ménagement, comme s'il s'agissait d'un criminel notoire. Sophie, surprise par la demande, reste un instant immobile. « Vous plaisantez ? Il n'y a aucune raison pour que nous soyons traités de la sorte. » Marc, sans perdre son calme apparent, s'avance encore plus près d'elle. « Mettez vos mains sur le capot, ou je vous y mets moi-même. » La froideur dans sa voix laisse peu de place à l'hésitation. Sophie n'a d'autre choix que de se conformer. Elle pose doucement ses mains sur le capot de la voiture, sentant le métal froid contre sa peau. Margot, quant à elle, obéit également, bien que son expression trahisse un mélange de frustration et d'indignation. Julien, visiblement plus détendu que Marc, commence à fouiller Sophie avec une certaine désinvolture, ses gestes plus proches de la provocation que de la véritable recherche. À un moment, il s'arrête, son regard se posant sur Sophie d'une manière qui la met profondément mal à l'aise. « On ne croise pas souvent des femmes comme vous dans ce genre de quartier », dit-il avec un sourire narquois. Sophie serre les dents, essayant de ne pas répondre à la provocation. Elle sait que toute réponse agressive ne ferait que compliquer les choses. Margot, elle aussi, reste silencieuse, mais le regard qu'elle lance à Julien est lourd de reproches. Marc, quant à lui, se tient à quelques pas de là, surveillant la scène avec une expression indéchiffrable. Il ne dit rien, mais son silence pèse lourd, comme s'il approuvait tacitement l'attitude de son collègue. Après un moment qui semble interminable, Julien finit par s'éloigner de Sophie,
apparemment satisfait de sa fouille. Il se tourne vers Mark et hausse les épaules, comme pour dire qu'il n'a rien trouvé d'inhabituel. Sophie se redresse, reprenant une posture droite, mais l'humiliation qu'elle vient de subir la brûle encore de l'intérieur. Margot, de son côté, garde une attitude calme, bien que son regard trahisse une profonde amertume. Les deux femmes échangent un bref coup d'œil, une compréhension silencieuse entre elles, elles savent qu'elles viennent de vivre quelque chose d'injuste, mais aussi terriblement commun pour des femmes noires en France. « Maintenant que vous avez fini, nous pouvons partir ?» demande Sophie, son ton plus sec qu'au début. Mark reste silencieux un instant, puis finit par hocher la tête. « Vous pouvez partir. » Mais le mal est déjà fait. La simple demande de sortir du véhicule, suivie de la fouille humiliante, a laissé des traces invisibles mais profondes dans l'esprit de Sophie et de sa mère. Le soulagement temporaire que Sophie ressent en étant autorisée à se relever disparaît rapidement lorsque Mark, après un bref échange de regards avec Julien, leur ordonne de nouveau de rester à proximité de la voiture. La situation, déjà tendue, semble s'aggraver alors que les deux policiers décident d'inspecter non seulement le véhicule, mais aussi les effets personnels des deux femmes. « Ouvrez vos sacs », ordonne Mark, la voix tranchante. Sophie sent la frustration monter en elle. Elle savait, dès le moment où Mark et Julien les avaient arrêtés, que cette fouille n'avait rien de normal. Ce n'était pas une simple vérification routinière. Chaque geste des policiers était imprégné de suspicion et de mépris à peine voilé. Margot, toujours calme en apparence, ouvre son sac à main avec des gestes lents et mesurés. Sophie, quant à elle, hésite un instant, regardant Marc droit dans les yeux. Elle est partagée entre l'envie de résister et la conscience que toute opposition pourrait rendre la situation plus dangereuse pour elles deux. « Vous n'avez pas le droit de fouiller nos affaires sans motif valable », dit Sophie, sa voix légèrement tremblante, mais résolue. Mark lève un sourcil, un rictus presque amusé se dessinant sur son visage. « Ici, c'est moi qui décide de ce qui est valable ou non. Maintenant, ouvrez ce sac, mademoiselle. » Margot, voyant la colère bouillir en sa fille, pose doucement une main sur son bras pour la calmer. « Fais ce qu'il dit, Sophie », murmure-t-elle doucement, mais fermement. Elle sait que dans ces moments, il est préférable de ne pas attiser davantage les flammes. Sophie, la mâchoire serrée, ouvre finalement son sac et le tend à Mark. Il plonge ses mains dans ses affaires avec une désinvolture irritante, fouillant chaque compartiment avec une minutie exagérée, mais sans aucune considération pour leur vie privée. De temps en temps, il jette un regard moqueur à Julien, comme pour partager une blague silencieuse. Julien, lui, s'amuse à sortir un à un les objets du sac de Margot, un portefeuille, des clés, un paquet de mouchoirs, rien de suspect, bien sûr. Pourtant, il prend plaisir à étaler ses objets sur le toit de la voiture, comme pour prolonger leur humiliation. À un moment, il sort un vieux carnet en cuir du sac de Margot, l'ouvre sans permission et parcourt rapidement les pages. « C'est quoi ça ?»« Vos secrets, madame ?» demande-t-il avec une ironie grinçante. Margot, gardant son calme, répond d'une voix glaciale. « Ce sont mes notes personnelles. Remettez-le à sa place. » Julien fait semblant de réfléchir un instant, puis referme le carnet avant de le jeter négligemment sur le toit de la voiture. « Rien d'intéressant, de toute façon », dit-il en haussant les épaules. Pendant ce temps, Mark continue de fouiller le sac de Sophie. Il en sort son téléphone, le retournant dans sa main comme s'il cherchait quelque chose de compromettant. « Vous pouvez me rendre mon téléphone, s'il vous plaît ?» demande Sophie, essayant de garder son calme malgré l'humiliation. « Pourquoi vous êtes si pressé ?» répond Mark avec un sourire en coin. « Vous cachez quelque chose dedans ?» Sophie respire profondément, son cœur battant de plus en plus vite. « Vous n'avez aucun droit de fouiller mon téléphone. » Mark la regarde un instant, puis, lentement, tend le téléphone à Sophie. Mais le mal est déjà fait. Cette fouille invasive, cette humiliation publique, a laissé des traces profondes dans son esprit. Le poids du racisme et de la suspicion injustifiée pèse lourdement sur ses épaules. Autour d'eux, d'autres officiers observent la scène de loin. Certains échangent des rires étouffés, d'autres chuchotent entre eux, leurs regards pleins de jugement. Même si personne ne prononce le mot, Sophie et Margot sentent la réalité de la situation. Elles sont jugées non pas pour ce qu'elles sont, mais pour leur apparence, pour leur couleur de peau, et ce jugement est aussi implacable que silencieux. « Je crois que nous avons terminé ici », finit par dire Mark, refermant le sac de Sophie avec une nonchalance exaspérante. « Vous pouvez reprendre vos affaires. » Sophie récupère son sac, ses mains légèrement tremblantes de colère.
Margot fait de même, rangeant ses affaires avec une lenteur délibérée, comme pour ne pas leur donner la satisfaction de l'avoir cédé à l'humiliation. Pourtant, dans ses yeux, Sophie peut lire une profonde tristesse, une fatigue face à des années de traitement similaires. Elles échangent un regard, cette fois sans mots. La réalité de ce qu'elles viennent de vivre est claire pour toutes les deux. Elles ont été humiliées, non pas parce qu'elles avaient fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'elles étaient noires, dans une société qui prétend être aveugle à la couleur, mais qui, en vérité, ne l'est jamais vraiment. Sophie et Margot, désormais hors de la voiture, ressentent le poids de l'humiliation s'abattre sur elles comme une chape de plomb. La lumière crue des gyrophares projette des ombres sur leurs visages, accentuant la tension de ce moment. Chaque mouvement des policiers, chaque parole échangée, est empreint d'une inégalité criante. Elles ne sont pas simplement des citoyennes respectables aux yeux de ces hommes, mais des femmes noires dans une voiture de luxe, une incongruité aux yeux de certains, un préjugé qui prend vie dans cette scène. Sophie ne peut s'empêcher de comparer ce qu'elles viennent de vivre avec d'autres contrôles qu'elle a observés dans le même quartier. Elle se souvient de cette scène il y a quelques semaines, où un couple blanc dans une voiture similaire avait été contrôlé brièvement, avec politesse et sans la moindre suspicion. Ils avaient échangé quelques mots avec les agents, un sourire aux lèvres, avant de repartir rapidement, sans encombre. Ce contraste la frappe comme un coup de massue. « Pourquoi sommes-nous traités de cette façon ?» demande-t-elle finalement, brisant le silence. Sa voix est calme, mais teintée d'une profonde frustration. « Nous avons coopéré dès le début. Vous avez fouillé nos affaires sans raison. Qu'est-ce qui justifie cela ?» Julien, qui se tenait légèrement en retrait, ricane doucement avant de répondre. « On fait simplement notre travail, mademoiselle. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas toujours visibles au premier coup d'œil. Quelle chose ? » rétorque Sophie, ses yeux s'embrasant de colère. Vous nous traitez comme des criminels simplement parce que nous ne correspondons pas à votre idée de qui devrait conduire ce type de voiture ? Marc s'approche à nouveau, cette fois plus près de Sophie, ses traits durs, son regard perçant. Ce n'est pas à vous de juger notre manière de travailler. Quand on vous demande de coopérer, vous coopérez. Point final. Sophie inspire profondément, tentant de maintenir son calme. Elle ressent la lourdeur de ce moment, l'injustice qu'elle connaît trop bien. Ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à un tel traitement, mais chaque nouvelle expérience est un rappel douloureux que, malgré tout son succès et sa position dans la société, elle reste vulnérable à ces jugements arbitraires basés sur sa couleur de peau. Margot, qui était restée silencieuse jusque-là, prend finalement la parole, sa voix ferme et posée, mais avec une lueur de fatigue dans les yeux. Nous connaissons ce genre de traitement, messieurs. Ce n'est pas la première fois que cela nous arrive, ni probablement la dernière. Mais sachez que ce que vous faites en ce moment n'est rien d'autre que du profilage racial. Et cela ne restera pas sans conséquences. Les mots de Margot semblent suspendre le temps un instant. Marc, jusqu'alors confiant, fronce les sourcils, surpris par la fermeté de la remarque. Julien, de son côté, paraît légèrement décontenancé, mais son sourire narquois ne disparaît pas complètement. « Madame, commence Marc, visiblement agacé, vous faites erreur. Il ne s'agit pas de profilage. Nous faisons simplement notre travail, et il se trouve que ce soir, vous êtes tombé sur notre chemin. » Margot le fixe, imperturbable. « Vous avez fouillé nos affaires sans raison valable. Vous nous avez ordonné de sortir de la voiture, sans explication claire. Et tout cela parce que, dans votre esprit, deux femmes noires dans une voiture de luxe doivent forcément être suspectes. » Julien, essayant de récupérer le contrôle de la situation, intervient. « Vous savez, vous pouvez déposer une plainte si vous voulez. Mais ça ne changera rien à ce que nous avons fait. Nous avons le droit d'agir ainsi. » Sophie sent un frisson de colère traverser son corps. Ce « droit » dont Julien parle, elle sait qu'il n'est qu'un bouclier pour masquer des comportements discriminatoires. La manière dont ils ont été traités, la méfiance à peine dissimulée, les piques subtiles mais claires sur leur appartenance raciale. Tout cela s'ajoute à la longue liste de micro-agressions et d'injustices qu'elle a déjà subies dans sa vie. « Est-ce que cela vous arrive souvent ?» demande Julien avec un ton faussement innocent. « D'être arrêté de cette manière, je veux dire. » Margot le regarde, impassible. « Plus souvent que vous ne le pensez. » Le silence qui suit est lourd, chargé d'une vérité que ni Marc ni Julien ne peuvent ignorer. Ils savent, au fond d'eux, que ce contrôle n'aurait probablement pas pris cette tournure si Sophie et Margot avaient eu une apparence différente. Mais l'admettre reviendrait à admettre une part d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à affronter. « Bon,
dit finalement Marc, d'une voix plus basse. Vous pouvez partir. Sophie et Margot récupèrent leurs affaires sans un mot. Le poids de l'humiliation reste lourd, mais il est compensé par la dignité avec laquelle elles se tiennent face à ces hommes. Tandis qu'elles remontent dans la voiture, elles savent que, même si elles peuvent partir physiquement, la cicatrice émotionnelle de cette soirée restera longtemps. Sophie, une fois de retour dans la voiture, reste immobile un instant, ses mains serrées autour du volant. Le moteur tourne au ralenti, mais elle ne bouge pas. Ses pensées tourbillonnent, un mélange de colère, d'humiliation et d'impuissance. Margot, assise à ses côtés, observe le silence, sachant pertinemment ce que sa fille ressent à cet instant précis. Ce n'est pas la première fois qu'elles sont confrontées à ce genre de situation, mais chaque nouvelle rencontre avec l'injustice raciale semble raviver une douleur enfouie, une blessure jamais complètement refermée. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive encore », murmure Sophie, plus pour elle-même que pour sa mère. Sa voix est empreinte de frustration, d'un ressentiment qu'elle essaie de réprimer mais qui finit par éclater. À chaque fois, c'est pareil. Peu importe à quel point je réussis dans la vie, je serai toujours vu comme une menace, simplement à cause de la couleur de ma peau. Margot, la tête légèrement inclinée, pose doucement sa main sur celle de Sophie. Ma chérie, tu dois te rappeler une chose, ils n'ont aucun pouvoir sur qui tu es. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, cela ne définit pas ta valeur. Sa voix est calme, apaisante, comme une mer tranquille après la tempête. Sophie se tourne vers elle, cherchant dans le regard de sa mère une source de réconfort. Margot a traversé tant d'épreuves dans sa vie. En tant que femme noire mariée à un homme influent, elle a souvent été la cible de regards suspicieux, de commentaires déplacés, de jugements silencieux mécriants. Mais jamais, pas une seule fois, Margot n'a laissé cela l'abattre. Elle a appris à naviguer dans les eaux troubles de la société française avec une patience inébranlable, une dignité qui force le respect. « Comment fais-tu ?» demande Sophie, presque désespérée. « Comment arrives-tu à rester calme alors qu'ils nous traitent comme des criminels ?» Margot sourit doucement, un sourire teinté de tristesse mais aussi de résilience. « J'ai appris à ne pas leur donner ce qu'ils attendent. La colère, la frustration, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous voir perdre notre sang-froid, nous mettre en position de faiblesse. Mais chaque fois que je garde mon calme, chaque fois que je choisis la patience, je garde le pouvoir. » Sophie soupire, secouant légèrement la tête. Elle comprend les paroles de sa mère, elle sait qu'elles sont vraies. Mais cela ne rend pas la situation moins douloureuse. Chaque instant passé sous les regards inquisiteurs des policiers a été une épreuve. Elle a ressenti chaque mot, chaque geste comme une attaque contre sa personne, contre tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. « C'est injuste », dit-elle finalement, sa voix plus faible, presque résignée. « Je travaille dur, je fais tout ce qu'il faut, et pourtant, je reste toujours, toujours suspecte. » Margot, gardant sa main posée sur celle de Sophie, inspire profondément avant de répondre. « Oui, c'est injuste. C'est épuisant, et c'est douloureux. Mais nous devons être plus forte que cela. Nous devons montrer à ces gens que, peu importe ce qu'ils pensent de nous, nous ne nous abaisserons jamais à leur niveau. » Le regard de Margot devient plus intense, sa voix plus ferme. Et surtout, nous avons des moyens de leur faire comprendre qu'ils ont fait une erreur ce soir. Ils ne savent pas qui nous sommes, mais ils vont l'apprendre. Sophie acquiesce lentement, réalisant ce que sa mère insinue. La vraie identité de Margot, épouse de l'un des juges les plus influents de France, n'a pas encore été révélée aux policiers. Elles ont choisi de garder cette information pour elles, préférant observer jusqu'où les agents seraient prêts à aller dans leur traitement injuste. Mais maintenant, il est temps de rétablir l'équilibre des forces. « Ils vont comprendre », murmure Sophie, retrouvant un peu de détermination dans sa voix. « Oui », répond Margot. « Ils vont comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes restés calmes que nous ne pouvons pas réagir. La patience des deux femmes n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Elles ont appris à naviguer dans un monde où la discrimination peut surgir à tout moment, mais elles savent aussi qu'il y a des moments où l'on doit se battre, non pas avec la colère ou l'agressivité, mais avec la justice, avec les moyens qui sont à leur disposition. Et ce moment approche. Sophie démarre enfin la voiture, prête à repartir. Mais cette nuit, elle sait que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce que les policiers ont fait ne restera pas sans réponse, et bientôt, ils comprendront l'ampleur de leur erreur. Alors que Sophie conduit à travers les rues pavées et élégantes du 16e arrondissement, le silence qui règne dans l'habitacle est lourd de réflexion. Ni elle ni sa mère ne prononcent un mot, mais une compréhension silencieuse s'est installée entre elles.
Ce qu'elles viennent de vivre est encore frais, l'humiliation est palpable. Mais Margot sait que, tôt ou tard, la vérité devra être révélée. Quelques minutes passent avant que Sophie ne rompe finalement le silence, son regard toujours fixé sur la route devant elle. « Alors, que comptes-tu faire, maman ?» demande-t-elle d'une voix résolue mais calme. Margot, assise avec une posture droite et digne, inspire profondément avant de répondre. Il est temps que ces hommes sachent avec qui ils ont affaire. Sophie hoche la tête, reconnaissant l'allusion de sa mère. Margot Marchand n'est pas seulement une femme noire issue de la classe bourgeoise parisienne, elle est aussi l'épouse d'un des juges les plus influents et respectés de France. Le juge Philippe Marchand, connu pour son intégrité et son engagement en faveur de la justice, n'est pas un homme à prendre à la légère. Et bien que Margot n'ait jamais abusé de son statut social ou de ses connexions, elle sait que dans cette situation particulière, il est important de rétablir l'équilibre et de dénoncer le traitement injuste qu'elles ont subi. Arrivée à un feu rouge, Sophie tourne enfin son regard vers sa mère. « Tu penses vraiment que cela va changer quelque chose ?» demande-t-elle, l'ombre d'un doute planant dans sa voix. « Que ça fera une différence pour eux, que nous soyons qui nous sommes ?» Margot pose son regard sur Sophie, un sourire triste étirant ses lèvres. « Peut-être que pour eux, ça ne changera rien. Peut-être qu'ils continueront à se comporter ainsi avec d'autres. Mais ce que je sais, c'est que nous ne devons pas rester silencieuses face à l'injustice. Chaque action, chaque réaction compte. » Elle fait une pause, observant la lueur des feux de circulation se refléter dans les yeux de sa fille. Et puis, ils doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas traiter les gens comme bon leur semble, simplement en se basant sur leur couleur de peau. Ce n'est pas une question de pouvoir ou de privilège, Sophie. C'est une question de respect et de dignité. Le feu passe au vert, et Sophie relâche doucement la pédale de frein, accélérant de nouveau. Mais l'idée que sa mère pourrait utiliser son influence pour rappeler à ses policiers les conséquences de leurs actions la hante. Sophie a toujours voulu réussir par ses propres moyens, sans avoir à dépendre du statut de sa famille. Mais dans ce cas précis, elle comprend que la révélation de l'identité de sa mère n'est pas seulement une question de pouvoir. C'est une question de rendre justice à toutes les femmes et hommes noirs qui, comme elle, sont confrontés quotidiennement à ce genre de traitement. Tandis qu'elles approchent de leur domicile, Margot sort son téléphone de son sac à main et compose un numéro familier. Elle porte le téléphone à son oreille, le visage serein mais concentré. « Philippe, c'est moi », dit-elle calmement lorsque son mari décroche. « Nous avons eu un incident ce soir. » Elle décrit la situation en détail, son ton mesuré mais ferme. Elle ne dramatise pas les événements, mais elle ne minimise pas non plus l'impact émotionnel et psychologique de la scène qu'elles ont vécue. À l'autre bout du fil, Philippe écoute attentivement, intercalant de temps à autre des questions précises. Sophie peut entendre la gravité de sa voix résonner doucement à travers le haut-parleur du téléphone. « Je vois », répond finalement Philippe. « Je vais m'occuper de cela. » Margot hoche la tête, bien qu'elle sache que son mari ne peut la voir. « Merci, Philippe. Je pense que c'est important que ces hommes sachent à quel point leurs actions étaient inacceptables. » Après quelques derniers mots échangés, Margot raccroche et repose doucement son téléphone sur ses genoux. Sophie reste silencieuse, mais elle sait que les choses ont pris un tournant décisif. Philippe Marchand ne prend jamais ses affaires à la légère. Sa réputation de juge droit et incorruptible est bien connue, et lorsqu'il intervient dans une situation, il le fait avec la pleine force de la loi. Quelques jours plus tard, Marc et Julien, les deux policiers impliqués dans l'incident, reçoivent une convocation officielle. Lorsqu'ils se présentent, pensant sans doute que cette convocation n'était qu'une formalité, il se retrouve face à un Philippe Marchand glacial, assis derrière son bureau massif au tribunal de Paris. Leurs visages se figent en réalisant qu'ils ont en face d'eux. Margot est assise à côté de son mari, observant les réactions des deux policiers avec un calme apparent, mais une fermeté inébranlable. Philippe, sans élever la voix, leur rappelle l'importance du respect des droits fondamentaux de chaque citoyen, peu importe son origine ou sa couleur de peau. Les policiers, visiblement nerveux, se confondent en excuses, réalisant l'étendue de leur erreur. Ils avaient cru pouvoir agir en toute impunité, sans jamais imaginer que la femme qu'ils avaient humiliée était liée à un des hommes les plus puissants du système judiciaire. Margot, observant la scène, ressent une satisfaction silencieuse. Ce n'était pas une question de vengeance, mais de justice. Les excuses des policiers n'effaceraient pas l'humiliation qu'elles avaient subie, mais cela les rappellerait que leurs actions avaient des conséquences, et que le pouvoir n'était pas toujours entre leurs mains. Sophie, quant à elle, apprend une leçon importante ce jour-là. Parfois,
Pour combattre l'injustice, il faut utiliser les outils que l'on a à sa disposition, non pas pour dominer, mais pour rétablir un équilibre et rappeler à ceux qui abusent de leur pouvoir que personne n'est au-dessus de la justice. Lorsque Marc et Julien quittent le bureau de Philippe Marchand ce jour-là, leur posture a radicalement changé. Les deux policiers, 6 sur 2 lors de la fouille, maintenant comprennent la gravité de leurs actions. Ils s'étaient attendus à un contrôle banal, peut-être même à une situation où ils se sentiraient en position de pouvoir. Mais la révélation de l'identité de Margot et la confrontation avec le juge Marchand leur ont montré à quel point ils avaient commis une erreur. De retour à la brigade, l'air est lourd de silence entre les deux hommes. Julien, d'ordinaire plus arrogant et provocateur, semble soudain moins sûr de lui. Il jette un coup d'œil à Marc, cherchant une forme de réconfort ou une explication à la situation, mais Marc est trop préoccupé pour lui répondre. Son esprit est occupé par la rencontre avec le juge, l'homme dont la réputation est presque légendaire dans les cercles judiciaires de France. Marc se repasse mentalement la scène de la nuit précédente. Il essaie de rationaliser son comportement, de trouver des justifications, mais à chaque fois, la même vérité s'impose à lui, il avait agi par préjugé. Même s'il ne l'avouerait jamais ouvertement, il sait qu'il a traité Sophie et Margot différemment parce qu'elles étaient noires, conduisant une voiture de luxe dans un quartier aisé. À ce moment précis, il se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un incident isolé, mais du reflet d'un problème plus vaste, profondément enraciné dans son propre comportement et dans celui de beaucoup d'autres. Julien, quant à lui, essaie de briser le silence. « Tu crois qu'ils vont aller plus loin avec ça ?» demande-t-il finalement, sa voix trahissant une nervosité qu'il tente de dissimuler. Marc ne répond pas immédiatement, son regard toujours fixé sur l'horizon. « Je ne sais pas », finit-il par murmurer. « Mais ce que je sais, c'est que nous avons sous-estimé qui elles étaient. » Julien secoue la tête, toujours incrédule. « Sérieusement, tu imaginais que cette femme était mariée à un juge ?»« Le juge Marchand, en plus ?» On n'aurait jamais pu deviner. Ce n'est pas une question de deviner, rétorque Marc, plus brusquement qu'il ne l'aurait voulu. On n'aurait pas dû les traiter comme ça. Peu importe qui elles étaient. Julien, surpris par le ton de son collègue, le regarde avec des yeux écarquillés. Attends, tu penses vraiment que c'était injustifié? On faisait juste notre boulot. Marc tourne finalement la tête vers Julien, son regard lourd de reproche. Ce qu'on a fait, ce n'était pas simplement un boulot. On les a fouillées, humiliées, parce qu'on a présumé des choses sur elles. Si elles avaient été blanches, crois-moi, on aurait agi différemment. Le silence retombe, cette fois encore plus pesant. Julien ne sait pas quoi répondre. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à la manière dont ses actions pouvaient être influencées par ses propres préjugés. Dans son esprit, il ne faisait que suivre les procédures. Mais maintenant, après cette confrontation avec le juge et les mots de Marc, il commence à se demander si, effectivement, il y avait autre chose derrière ses décisions ce soir-là. Pendant ce temps, Margot et Sophie poursuivent leur vie, mais la rencontre avec les policiers a laissé des traces. Bien que Philippe ait pris des mesures pour rappeler aux policiers leurs devoirs et leurs responsabilités, les émotions de cette nuit restent vives dans l'esprit des deux femmes. Sophie, en particulier, ne peut s'empêcher de repenser à chaque instant. Elle repense aux regards inquisiteurs, aux gestes dédaigneux, aux commentaires à peine voilés de Julien. Elle ressent encore la brûlure de l'humiliation, mais aussi une certaine satisfaction en sachant que justice a été faite, du moins en partie. Mais elle sait aussi que cette justice est imparfaite. Ce n'est pas parce qu'elle est la fille d'une famille influente que ces situations cesseraient d'exister. Combien de femmes et d'hommes noirs subissent ce genre de traitement chaque jour, sans avoir la possibilité de rétablir l'équilibre comme elles l'ont fait? Lorsque les policiers réalisent enfin l'identité de Margot, l'atmosphère change radicalement. Le calme glacial de Philippe Marchand contraste avec l'inquiétude qui se lit sur les visages de Marc et Julien. Ce n'était pas une situation qu'ils avaient anticipée. L'idée qu'ils venaient de traiter de manière humiliante la femme d'un juge influent leur fait réaliser toute l'étendue de leur erreur. Marc, qui jusque-là avait maintenu une façade de froideur, devient visiblement mal à l'aise. Son regard passe de Margot à Philippe, cherchant désespérément un moyen de redresser la situation. Quant à Julien, le plus jeune des deux, il ne parvient plus à dissimuler sa nervosité. Il lance des coups d'œil rapides à son supérieur, espérant qu'il prendra la parole en premier. Le silence pesant est finalement rompu par Marc. Sa voix, d'abord ferme, vacille légèrement sous la pression de la situation. « Monsieur le juge, nous ne savions pas qui vous étiez. Qui était votre épouse ? Si nous l'avions su, évidemment,
cela ne se serait pas passé de cette manière. Philippe, imperturbable, lève lentement la main pour le faire taire. Le problème, monsieur, commence-t-il d'une voix posée mais tranchante, ce n'est pas qui est mon épouse. Le problème est la manière dont vous traitez les citoyens de ce pays. Peu importe leur origine, leur statut social ou leur couleur de peau. Est-ce ainsi que vous traitez toutes les femmes noires qui traversent Paris ? Marc baisse les yeux, incapable de soutenir le regard perçant du juge. Julien, quant à lui, devient de plus en plus agité, se tortillant sur sa chaise. Ils savent tous les deux qu'ils sont en terrain glissant. Ce que vous avez fait cette nuit-là, continue Philippe, n'était pas seulement une violation des droits de ma femme et de ma fille. C'était une démonstration de préjugés que je ne peux pas tolérer, en tant que juge, en tant que citoyen, et surtout en tant qu'être humain. Margot, assise à côté de son mari, reste silencieuse, observant la scène avec une dignité inébranlable. Son regard ne quitte pas les policiers, mais elle n'éprouve pas de satisfaction dans leur malaise. Ce n'est pas une question de vengeance pour elle, mais de rappeler l'importance de la justice et du respect. Marc, conscient de la gravité de la situation, tente une dernière fois de se rattraper. « Nous sommes vraiment désolés, monsieur le juge. Ce n'était pas notre intention. »« Ce n'était pas votre intention, » répète Philippe, coupant la parole de Marc. Alors quelle était-elle, exactement ? Humilier des femmes innocentes, simplement parce qu'elles ne correspondent pas à votre idée de ce qu'est une citoyenne respectable dans ce pays. Julien, qui n'avait jusque-là pas osé ouvrir la bouche, prend enfin la parole, sa voix tremblante. Nous n'avons jamais voulu faire de mal. Nous suivions juste les procédures. Philippe lève un sourcil, intrigué. Les procédures ? Fouiller sans motif valable, humilier, faire des insinuations racistes, ce sont ces procédures dont vous parlez ? Julien se tait immédiatement, réalisant que chaque mot qu'il prononce ne fait qu'aggraver leur cas. Marc, lui, semble complètement abattu, conscient que leur erreur a pris des proportions bien plus grandes qu'il ne l'avait imaginé. « Vous allez être sanctionné, bien entendu », conclut Philippe d'une voix calme mais déterminée. « Ce genre de comportement n'a pas sa place dans nos forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas permettre que des agents agissent de cette manière, que ce soit envers ma famille ou n'importe quel autre citoyen. » Le juge Marchand se lève de sa chaise, signe que la conversation est terminée. Marc et Julien, visiblement soulagés que la rencontre prenne fin, se lèvent à leur tour, mais ils savent que les conséquences de leurs actions ne font que commencer. Avant de partir, ajoute Philippe en les fixant d'un regard perçant, je vous suggère de réfléchir à la manière dont vous exercez votre pouvoir. Il ne s'agit pas d'humilier ou de dominer les autres. Il s'agit de protéger et de servir tous les citoyens de ce pays, sans distinction. Les policiers acquiescent en silence, puis quittent la pièce, la tête basse. Une fois dehors, ils échangent un regard inquiet, conscients que leur carrière vient de prendre un tournant décisif. Dans le bureau, Philippe se tourne vers Margot, son expression adoucie. « Tu vas bien ?» demande-t-il avec une tendresse inattendue après la gravité de la rencontre. Margot sourit légèrement, bien qu'une certaine fatigue soit visible dans ses yeux. « Oui, je vais bien. Ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ce genre de comportement, et malheureusement, ce ne sera probablement pas la dernière. Mais au moins, ils sauront à l'avenir que leurs actions ont des conséquences. » Sophie, qui était restée silencieuse tout au long de la scène, se lève à son tour. Elle sent un mélange de soulagement et de tristesse. Ce qu'elles ont vécu ne disparaîtra pas, mais voir ces hommes confrontés à leurs actes a apporté un certain apaisement. Elles savent qu'elles ont utilisé les moyens dont elles disposaient pour lutter contre l'injustice, et même si cela ne changera pas tout, c'est un petit pas vers une plus grande prise de conscience. Quelques semaines après l'incident, la vie semble avoir repris son cours normal pour Sophie et Margot. Mais le souvenir de cette nuit, et des événements qui ont suivi, reste gravé dans leur mémoire. Pour Sophie, la colère initiale s'est transformée en une réflexion plus profonde sur la réalité qu'elle vit au quotidien. Chaque jour, elle doit naviguer dans un monde qui la juge non pas pour ses compétences ou ses succès, mais pour la couleur de sa peau. Alors qu'elle se promène dans les rues animées de Paris, Sophie repense aux événements récents. La convocation des policiers, leurs excuses maladroites, et les sanctions qui leur ont été infligées n'ont pas effacé l'humiliation ressentie. Pourtant, cela a envoyé un message fort, non seulement à eux, mais aussi à elle-même, il est possible de se battre contre l'injustice, même si le chemin est long et semé d'embûches. Sophie et Margot sont assises dans un café chic du quartier Saint-Germain-des-Prés, un lieu qu'elles fréquentent régulièrement. Les conversations autour d'elles sont animées, mais elles restent silencieuses un moment,
savourant simplement le fait d'être ensemble dans un moment de tranquillité. « Tu penses souvent à ce qui s'est passé ?» demande Margot en sirotant son café. Sophie hoche la tête. « Oui, je n'arrive pas à m'en détacher. Cela m'a fait réaliser combien nous avons encore du chemin à parcourir. » Margot, posant sa tasse, observe sa fille avec attention. « Tu sais, ce genre d'expérience te rend plus forte, même si c'est douloureux. Ce que tu as fait, ce que nous avons fait, a eu un impact. Peut-être que ces hommes réfléchiront deux fois avant de juger quelqu'un sur des apparences à l'avenir. » Sophie se tourne vers la fenêtre, observant les passants. Elle a appris depuis longtemps que la vie d'une femme noire en France est jalonnée de défis invisibles, de luttes silencieuses que peu de gens autour d'elle comprennent réellement. Pourtant, cet incident a aussi révélé une autre facette de la réalité. Il y a des outils à sa disposition, des moyens de faire entendre sa voix, et elle doit continuer à les utiliser. « Tu as raison », finit par répondre Sophie, un sourire discret aux lèvres. « Mais cela reste épuisant, devoir toujours prouver qui je suis, devoir rappeler aux gens que je mérite le même respect que n'importe qui d'autre. » Margot acquiesce, son visage grave mais serein. « Je sais. Mais tu n'es pas seule dans cette lutte. Regarde autour de toi. » Il y a de plus en plus de femmes comme nous qui se lèvent, qui refusent de se taire. Chaque petite victoire compte, et un jour, nous ne devrons plus subir cela. Sophie se redresse légèrement, inspirée par les paroles de sa mère. Margot a toujours été une figure de résilience dans sa vie, une femme qui a traversé de nombreuses épreuves sans jamais perdre son calme ni sa dignité. Et en cet instant, Sophie comprend que sa propre force vient en grande partie de l'exemple que sa mère lui a montré toute sa vie. « Tu sais, » dit Sophie en se penchant légèrement vers sa mère, « ce que tu as fait, en gardant ton calme, en les affrontant sans élever la voix. Je ne sais pas si j'aurais pu faire la même chose. » Margot sourit doucement, avec une lueur de fierté dans les yeux. « La patience est une arme, Sophie. Parfois, c'est plus puissant que la colère. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre. Il faut juste savoir quand et comment. » Leur conversation est interrompue par l'arrivée du serveur, qui leur apporte l'addition. Sophie règle la note, puis elle se lève pour quitter le café. Alors qu'elles sortent dans les rues animées de Paris, Margot passe son bras sous celui de sa fille. Elle marche côte à côte, symbole d'une génération qui a dû se battre pour sa place dans la société, et d'une autre qui continue à repousser les limites. En chemin, Sophie pense aux prochaines étapes. Elle a décidé de se mobiliser davantage, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes et hommes comme elle, qui subissent les préjugés au quotidien. Elle envisage de rejoindre des organisations luttant contre le racisme systémique, d'utiliser sa voix et sa position pour faire entendre ses expériences souvent ignorées ou minimisées. Tandis qu'elles arrivent à un passage piéton, Margot s'arrête un instant, regardant droit devant elle. « Tu sais, Sophie, ce que tu as accompli jusqu'à présent est déjà extraordinaire. N'oublie jamais cela. Ne laisse pas ces incidents te faire douter de toi-même. » Sophie sourit, touchée par les paroles de sa mère. « Merci, maman. Je promets de continuer à me battre. Pas seulement pour moi, mais pour nous toutes. » Les lumières des voitures illuminent les rues de Paris alors qu'elles traversent le passage piéton ensemble, deux générations de femmes unies par leur résilience, leur force et leur détermination à changer le monde, pas à pas. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et regardez cette prochaine histoire qui est très émouvante.